je suis née dans une famille de mélomanes, que ce soit du côté de mon père qui jouait du piano en amateur mais qui adorait ça et dont la sœur était elle pianiste professionnelle et qui était mon premier professeur, ou du côté de ma mère où la musique était également très présente, elle-même aussi était pianiste amateur. Tout le monde le pratiquait, on a eu aussi de la chance en famille de côtoyer de très bons musiciens qui sont souvent venus en visite chez nous et qui ont probablement changé certainement le cours de ma vie. Des rencontres d'autres musiciens sont des choses frappantes. Moi, je dirais que Zoltán Kocsis, c'est quelqu'un qui m'a profondément changé. Yvonne Lefébure, c'est quelqu'un qui m'a guidée. Et puis, on avait une telle différence d'âge. C'était une dame de plus de 80 ans et moi, j'avais 6-7 ans. Et pourtant, il y a une communication extraordinaire. La musique toujours été absolument essentielle et fondamentale pour moi. Alors donc j'ai commencé comme pianiste, enseignée par cette tante qui était à la fois charmante et puis merveilleuse comme musicienne, qui était l'assistante d'Yvonne Lefébure. Donc j'ai pu rencontrer Yvonne grâce à elle très tôt. Et Yvonne aimait beaucoup le répertoire baroque. Elle aimait beaucoup Bach, elle connaissait et appréciait Couperin, Rameau, etc., qu'elle faisait jouer au piano volontiers. J'ai pu avoir accès à d'autres classes, qui étaient les classes de musique ancienne. Et là, j'ai rencontré William Christie, qui enseignait, lui, aux chanteurs, le répertoire baroque. Et donc, en faisant sa connaissance, j'ai rencontré le clavecin. Là, ça a été littéralement une révélation. Son toucher, aussi la notion d'intimité, et puis la partie d'improvisation qui était très importante, et cette espèce de vent de liberté que vous donne cet instrument. Le fait que l'instrument joue en orchestre. Moi, j'aimais bien faire les choses avec les gens. Et là, le clavecin m'ouvrait une vie avec les autres. Alors, est-ce que femme chef d'orchestre, c'est un défi ? En réalité, je pense que oui. Quand j'ai commencé à diriger, il y a maintenant plus de 20 ans, c'est une question qu'on me posait souvent. Et moi, j'étais un peu irritée par la question, parce que je ne la considérais pas. Ce n'était pas une question pour moi. Je pense qu'un chef se pose la question toujours. Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que c'est là que je dois être ? Et moi, je me la pose plutôt en ces termes. En repensant en arrière, je pensais à la direction quand j'étais vraiment petite. Et puis, pour mille et une raisons, finalement, je ne l'ai pas fait. Et quand je regarde, je me dis, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Peut-être que moi, j'avais besoin de tout ce parcours, mais peut-être aussi qu'une ou deux petites remarques de rien du tout, moi, m'ont un peu affectée. Je pense que pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait des exemples. C'est bien qu'on voit d'autres femmes diriger et qu'on ne se dise pas « c'est une chose impossible ». Et comme ça, s'il y a des vocations, des vrais talents, de jeunes femmes qui doivent diriger, eh bien qu'elles se disent « j'y vais et je le fais parce que c'est ça que je sens ».